Bonjour, aujourd'hui je vous reçois dans ma cuisine car nous allons parler pâtisserie. Et quoi de mieux qu'un petit morceau de chocolat pour se sentir mieux? Et c'est pas Miranda Chocolat qui nous dira le contraire. Donc là, je vous propose un roman pour enfants donc qui s'intitule Miranda Chocolat, c'est d'Astrid Desbordes aux éditions École de loisirs. Dans ce roman, Miranda vit dans un environnement ultra chic. Ses parents lui donnent une éducation très stricte. Elle a une gouvernante, une liste interminable d'interdictions et une liste tout aussi interminable d'obligations. Bref, Miranda n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors, dès qu'elle a l'occasion, elle part chez son copain Arthur. Parce que Arthur, ses parents sont pâtissiers. Ils tiennent une pâtisserie et Miranda adore faire la pâtisserie. Et d'ailleurs, elle aimerait devenir pâtissière. Sauf que sa maman n'est pas du tout d'accord. Bref, donc Miranda, dès qu'elle a l'occasion, elle va dans cette pâtisserie. Sauf que la pâtisserie, elle marche pas très bien. Les comptes sont dans le rouge et un géant industriel voudrait bien racheter cette pâtisserie. Donc voilà, Miranda et Arthur partis enquêter, voir qui est vraiment ce géant industriel. Et donc, vous l'aurez compris, ce roman parle de malbouffe. Il parle aussi de l'éducation, de la suréducation des enfants qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer. Et on ne s'ennuie pas dans ce roman. Vous allez à 100 à l'heure avec Miranda, vous la suivez partout. En plus, le texte est plein d'humour et il y a des jolies illustrations très colorées. Voilà, donc c'est vraiment un très joli roman et vous passerez un agréable moment. Voilà, à très bientôt.